la deuxième chambre du Parlement. Un sénateur t'aidera. C'est ici? Oui, voilà le Sénat. Qu'est-ce qu'un sénateur? Un sénateur, c'est un parlementaire. Un parlementaire, c'est un élu de la République qui siège soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. La particularité des sénateurs, c'est qu'ils sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs. D'accord. Le Parlement comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les parlementaires, ce sont à la fois les sénateurs et les députés. Les députés sont élus directement par les Français. C'est le suffrage universel direct. Les sénateurs, eux, sont élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs. Il y a les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux et les députés. Tous les élus, quels qu'ils soient d'un même département, votent pour leur sénateur ou leur sénatrice. Les sénateurs sont élus pour 6 ans. Auparavant, c'était 9 ans, mais la durée de leur mandat a été réduite.